Donc, pour rappel, le crabe, c'est un jeu qui joue avec 2 dés. On le lance. Si on fait 7 ou 11, on a gagné tout de suite. Si on fait 2, 3 ou 12, on a perdu tout de suite. Dans le cas où il y a un autre total, mettons par exemple 8, je dois refaire maintenant le 8 avant de faire le 7. Or, le 7 est la combinaison la plus importante. Il y a 6 façons de faire. Les autres, il y a moins de combinaisons possibles. Je peux aussi décider de faire 8 avec les 2 4. Donc, ne pas le faire avec un 5 3, ni de le faire avec un 6 2, ni avec un 2 6, ni un 3 5. Dans ce cas-ci, je n'aurai qu'une chance sur 10, contre 10, pardon, de faire le point avec 8, mais je serai payé 10 fois la mise. Donc, tu as vérifié que les dés, tu peux lancer une ou deux fois pour vérifier que les dés ne sont pas truqués. Et quand tu décides d'arrêter, quand tu décides que c'est bon, tu lances. On y va. Tu veux celui-ci? Oui. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va mettre ta carte de chance ici, là. Bon, ça c'est ta première partie de chance. Il y a une deuxième chose qu'on va faire. Tu imagines que tu as gagné un petit peu de pognon, tu as envie de sortir, tu peux te payer un resto, mais tu peux inviter une fille à ce resto. Alors je voudrais que tu commences par couper le jeu en trois paquets. Ok. Et ma première question est très simple. Tu préfères les brunes, les blondes ou les rousses? Les trois. Les trois. Ok. TROIS. D'accord, c'est comme tu veux. Maintenant, tu dois choisir une des trois. Tu préfères qu'elle s'appelle comment? Ariane. 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 Et elle a quel âge? 35 ans. 35 ans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Ok. Tu rentres dans ce bar, qui est comme fort enfumé, et tu regardes s'il n'y a pas des filles qui ont l'air un peu libres. Et tu repères un groupe de trois filles. Est-ce que ces filles dansent ou elles ne dansent pas? Deux danses. Lesquelles? Lesquelles dans celle-ci? Ces deux-là. Non, 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 comme ça. Ok, tout simplement pour danser. Maintenant, il y a une blonde. Si tu avais à choisir entre blonde, brune et rousse, tu choisirais quoi de préférence? Une brune. Laquelle de... Et alors, il y a les deux filles, enfin les trois filles sont là, il y en a deux qui te font face, il y a la blonde et la rousse te font face, et il y a une brune qui te fait de dos. Tu aimerais quand même bien savoir qui c'est. Tu tapes sur l'épaule de la brune, c'est laquelle des trois? Celle-là. D'accord, elle se retourne et elle a plein de taches d'acné dans le visage. Mais alors plein, je dis, il y en a de tous les côtés. Et tu te dis, écoutez, mademoiselle, excusez-moi, je vous ai pris pour quelqu'un d'autre. Mais tu t'en fiches, tu ne choisis pas spécialement une brune, une rousse, une blonde. Il te reste la blonde. Et la rousse. Où est la rousse? Là. Ok, la rousse, elle est là. Ça tombe bien, mais elle a des points de rousseur sur le visage. Et c'est pas ton truc non plus. Donc tu te dis, il me reste plus qu'une chance pour que ma soirée soit bonne. Alors il peut se passer plusieurs choses. Je retourne cette carte. Elle a des points noirs dans le visage, peu importe le nombre, c'est de l'acné. Elle a des points rouges dans le visage, c'est pas nécessairement des taches de rousseur, ça peut être une maladie honteuse. C'est un valet ou un roi? Peut-être que ta soirée est foutue. D'accord? Par contre, si c'est une dame, joie. Ça prouve que tu as de la chance aujourd'hui. Si en plus, bon, il n'y a pas de dame blonde, mais si c'est une dame rouge, qui peut représenter soit de la rousse, soit de la blonde, là, c'est vraiment ton jour de bonheur. Et ça tombe bien, ça, la dame de carreau. Et tu te dis, chouette. Elle dit, mademoiselle, salut. Ça vous a dit de voir ma collection de papillons D'ailleurs, vous vous appelez comment? Ah, elle te dit, moi je m'appelle Ariane. Ah, Ariane, tiens, ça tombe bien, j'aime bien les filles qui s'appellent Ariane. Et vous avez, qu'est-ce que vous faites ici? Ben, je fête mon anniversaire. Et j'ai 35 ans aujourd'hui, j'ai envie de m'amuser. Là, tu te dis, si je ne le fais pas maintenant, je ne le ferai jamais. Et donc, tu insistes, non, non, je vous insiste, je vous assure, ma collection de papillons, elle est absolument géniale. J'ai même des estampes japonaises au-dessus de mon lit. Et elle te dit, écoute, mon grand, j'ai aucun problème à sortir avec toi, tu me parais fort sympathique. Dynamique, c'est le genre de mec que j'aime bien, mais je mets une condition. C'est que ma sœur jumelle puisse nous accompagner.